عکس ازتون خواستم. آقای مهندس این عکس ده ما رو ریخته به هم، این ماجرا همه ما رو پلس کرده. باخبیل burada birliklenişi Muhan'a dahlize gezmekti. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition. He kept trying to touch me. I asked him to leave me alone. Instead, they say he met them with threats and sexual demands. I was young, scared. Hi, we're from the New York Times. I believe you used to work for Harvey Weinstein. Aucun ours, le film clandestin du réalisateur iranien Jafar Panahi. Alice Diop filme le procès d'un infanticide dans Saint-Omer. Et She Said sur l'enquête qui a révélé l'affaire Weinstein. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine. On va commencer avec un film en prise avec l'actualité. Celui du cinéaste iranien Jafar Panahi, bête noire du régime des mollahs. Il est actuellement en prison en Iran pour avoir protesté contre l'incarcération de son confrère, cinéaste Mohammad Rasoulof. Jafar Panahi est un habitué de la censure qu'il a vécu à de multiples reprises pendant sa carrière, mais il a réussi la prouesse d'achever à temps son dernier long métrage, Aucun ours. Alors, la question se pose, hein, Thomas, comment réaliser un film quand on est interdit de cinéma? J'ai envie de dire tout simplement clandestinement, et c'est vrai que Jafar Panahi réalise avec des petites caméras. On se souvient peut-être que dans Taxi Télérance, c'était avec un téléphone portable qu'il tournait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parlait aussi de films qui étaient fabriqués, puis ensuite envoyés par une clé USB vers l'Occident, comme dans un film d'espionnage. Il se trouve qu'en réalité, les autorités fermeraient les yeux sur l'activité de ces cinéastes pour montrer à l'Occident qu'il n'y a pas une censure totale. Ce qui importe au régime, c'est de rendre l'activité de ces cinéastes inconfortable. Et ce qui est intéressant avec Jafar Panahi, c'est que depuis qu'il est empêché de faire des films, il est aussi l'acteur de ses propres films. Et que cet inconfort à réaliser des films devient presque le sujet, devient même pas presque... Une sorte de mise en abîme. Exactement, devient le sujet de ses propres films. Et on le voit avec Aucun ours aujourd'hui, où Jafar Panahi joue Jafar Panahi, donc un cinéaste qui essaye, on le voit dans le film, essayer de réaliser un film par visioconférence. Lui, il est retranché dans un petit village des montagnes iraniennes, frontalier de la Turquie, et on voit comment il va être pris dans une espèce d'embroglio culturel au sein même de ce village. Voilà, c'est un vrai thriller et c'est une vraie mise en abîme, vous l'avez dit. Je propose de regarder les images. Alors Aucun ours, bien sûr, sort dans un contexte particulier, avec la révolte qui ne cesse de monter en Iran. Est-ce que Jafar Panahi a toujours vu son cinéma comme une arme contre le pouvoir en place? Absolument. Et regardez ce qu'il dit. Il a envoyé une lettre au moment de la Mostra de Venise, où Aucun ours a d'ailleurs été primé. Il a envoyé une lettre aux organisateurs de la Mostra et il dit ceci. « Pour nous, vivre, c'est créer. Nous, donc les cinéastes, nous créons des œuvres qui ne sont pas des commandes. C'est pourquoi ceux qui sont au pouvoir nous voient comme des criminels. Le cinéma indépendant reflète son époque. » Donc c'est vraiment l'intention de Jafar Panahi d'être toujours en prise directe avec l'actualité. Et ça a commencé dès les origines de son œuvre. Et puisqu'on vous parlait justement des révoltes actuelles, on se souvient peut-être que son film Hors-jeu a raconté l'histoire de deux jeunes filles qui veulent aller assister à un match de football, sauf que la loi interdit aux femmes d'entrer dans un stade de foot, et donc elles se déguisaient en hommes. Elle se faisait repérer. Déjà très subversif. Voilà, déjà très subversif. Donc cette position-là a toujours été celle de Jafar Panahi. C'est d'ailleurs pourquoi il a été souvent empêché en tant que citoyen, mais aussi en tant que cinéaste. Aucun ours est aussi en prise directe, puisqu'on voit quoi? On voit que dans ce petit village, Jafar Panahi, surtout dans un imbroglio culturel, avec une jeune femme promise à un homme qui aurait fréquenté un autre homme. Donc ça joue sur l'adultère ou sur ces femmes qui sont promises dès la naissance à un homme. Donc évidemment que Jafar Panahi se questionne sur l'actualité. C'est ce qui fait la richesse de son cinéma. Ce qui est aussi la richesse de son cinéma, c'est de se préoccuper aussi de son médium, le cinéma, et faire donc cette mise en abîme que j'évoquais à l'instant. Alors on va maintenant parler d'un autre film, Saint-Omer d'Alice Diop, un film inspiré de l'affaire Fabienne Kabou, du nom de cette mère accusée d'infanticide en 2013. Le film d'Alice Diop a été doublement récompensé à la dernière Mostra de Venise, obtenu le prix Jean Vigo et pourrait donc figurer dans la liste pour les prochains Oscars. Voilà, rappelons que si le film a été effectivement choisi pour représenter la France aux Oscars, rien ne dit encore qu'il sera donc dans cette fameuse... Mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà, shortlist dans la catégorie meilleur film étranger. Bon, on a un peu de temps pour le voir arriver puisque la cérémonie des Oscars, la prochaine, aura lieu en mars prochain, le 12 mars 2023. Alors on a encore le temps d'y penser, je l'ai dit. À noter aussi que c'est le premier long métrage de fiction de Alice Diop qui jusqu'ici était connu pour ses très bons documentaires, La mort de Danton, Vers la tendresse, un court métrage d'ailleurs qui avait obtenu un César en son temps, ou encore Nous. Alors Fabienne, personnage dans la réalité, se nomme ici Laurence pour les besoins de la fiction. Donc elle comparaît effectivement devant la cour d'assises de Saint-Omer. Elle est accusée d'avoir tué son enfant de 15 mois, mort noyé sur une plage de Berck. Alors quelle est cette femme? Qui est cette Médée moderne? Regardez. Vous êtes accusée du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Alors j'ai pu rencontrer la réalisatrice de Saint-Omer, Alice Diop, jeudi. Vous pourrez d'ailleurs découvrir notre entretien dans son intégralité dans À l'affiche. Mais on va en écouter un court extrait. Alice Diop nous parle de l'intuition qui l'a amenée à réaliser ce premier film de fiction. En fait, l'intuition, c'était la promesse d'un récit qui résidait dans la phrase complètement folle, sidérante, fascinante de Fabienne Kabou, expliquant aux enquêteurs son geste. Et elle avait dit... je cite de mémoire, j'ai déposé ma fille sur la plage avec l'idée que la mer emporte son corps. Et pour moi, cette phrase était assez fascinante, complètement bouleversante. Et en fait, elle ouvrait un vaste champ de récits possibles, de récits convoquant un imaginaire tragique, mythologique, psychanalytique, lyrique, justement parce que c'était tout sauf m'intéresser à un fait divers. En fait, c'est... en fait, aimantée par cette promesse d'un récit que je suis allée au procès. Ce qui est passionnant dans ce film, c'est aussi sa mise en scène, au-delà de son sujet, en tout cas comment il fait corps avec son sujet. C'est un film frontal, direct, vraiment... Pas très loin du documentaire, d'ailleurs. Pas très loin du documentaire, effectivement. Comment ça s'appelle, des plans le plus souvent fixes pour éviter la dispersion. Et surtout, c'est un vrai film de procès, il faut vraiment le dire, avec sa quête de vérité, où les circonvolutions sont nombreuses. La ligne semble pourtant claire et tranchante, c'est vrai. Et ça ne veut pas dire qu'Alice Diop, elle avance avec des certitudes. Non, ce qu'elle essaie de faire, et ce qu'elle a toujours d'ailleurs fait dans son cinéma, c'est de comment on restitue une parole. Et qu'est-ce que cette parole a à nous dire de mensonge? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de vérité? Et qu'est-ce qu'elle révèle finalement de nos préjugés vis-à-vis de quelqu'un? Et c'est ça qui fait que ce film est vraiment extrêmement puissant. Ouais, et on a vraiment l'impression d'être dans cette salle de la cour des assises. On va passer au nouveau long métrage en tant que réalisateur de Roche Dizem, Les miens, dans lequel l'acteur, aidé au scénario par Maïwen, signe une sorte d'autofiction. Il raconte l'histoire de sa famille dont l'équilibre se trouve fragilisé alors que l'un des frères, victime d'un traumatisme crânien après un accident, change de personnalité et se montre très critique vis-à-vis de ses proches. Je vous propose d'abord de regarder la bande-annonce. Je t'ai jamais vu comme ça de ma vie. Ah, tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Bah non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas. J'aurais adoré avoir une famille comme ça. Voilà, c'est un peu la mode hein, des acteurs cinéastes qui font un peu leur exercice d'auto-analyse. Hein. On parlait de Gad Elmaleh, son film reste un peu. Moi, le problème que j'ai avec ces films, c'est qu'au final, l'ego des cinéastes qu'ils veulent dénoncer, eh bien en fait, ressurgit, envahit tout le cadre. C'est un peu le problème avec le film de Roche Dizem. Il tente le version comique et en fait, c'est un peu maladroit. C'est-à-dire qu'en fait, il a un problème avec presque le ton de son film. Les dialogues sont coécrits avec l'aide de Maïwen. Moi, j'ai un problème avec Maïwen, c'est que c'est jamais très subtil, sa manière d'enfoncer vraiment parfois un peu des potes. Là, sa patte est très présente. Hein, alors, sa patte est très présente, ouais, dans une espèce comme ça d'hystériser tout. Donc, vraiment, moi, je suis vraiment passé à côté des miens. Alors, on va terminer avec She Said de Maria Schrader, un film qui revient sur les dessous de ce qui allait aboutir à l'affaire Weinstein. Voilà, Weinstein, on ne le présente plus, un producteur star des années 90 qui a été donc accusé de multiples agressions sexuelles. D'ailleurs, ça continue encore, l'actualité n'arrête pas de bouger. Et donc, en fait, ces deux enquêtrices du New York Times qui ont révélé en fait cette affaire en 2017, entraînant le fameux mouvement MeToo, Jody Kenton et Megan Twohy, c'était le nom de ces deux journalistes, interprétés respectivement à l'écran par Carey Mulligan et Zoé Kazan, vous les voyez, toutes ces femmes, des femmes courageuses qui ont réussi en fait à faire parler en fait toutes ces victimes qui n'osait pas pour multiples raisons témoigner, et notamment l'actrice Ashley Judd. Il faut savoir qu'Ashley Judd joue son propre rôle dans ce film. Alors, c'est un film finalement assez honnête, hein, qui explique bien un petit peu les dessous de cette affaire. J'ai trouvé ça du coup un peu scolaire quand même dans son exécution. Il n'empêche que c'est une nouvelle pièce au dossier. Quand on se souviendra de cette histoire, on regardera encore et encore She Said. Et puis à noter qu'une ancienne collaboratrice de France 24, Angela Yeo, joue dans She Said. Donc on... Je ne savais pas et elle joue très très bien. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec des images de She Said avec Carey Mulligan et Zoé Kazan pour incarner le duo de journalistes ayant révélé l'affaire Weinstein. Point de départ du mouvement MeToo, je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. You have to imagine that every call you make is being recorded and you're being followed. Can you imagine how many Harveys there are out there? You want to get me killed. Do you wish you hadn't signed up for this story? Do you? No. The only way these women are going to go on the record is if they all jump together. We're all here, Harvey. Who have you talked to? I have three daughters and I don't want them to ever accept abuse or bullying. I'll go on the record. Go right. It's time to write. This is all going to come up. I was silenced. I want my voice back.